Vous voyez ce mécanisme? Vous voyez cette soucoupe? Elle contient de l'acide sulfurique concentré. Le câble de cette poulie trempe dans l'acide. Et il lui faut 52 secondes pour être totalement rongé, ce qui provoquera l'ouverture de cette cage et permettra à ce rat de rentrer dans l'autre cage pour vous dévorer le derrière. Et les dents de ce rat sont imprégnées de cyanure. Les dents sont imprégnées de cyanure. Ah, non, ça va pas du tout, ça, parce que si les dents sont imprégnées de cyanure, ils crèvent. Ouais, il chier, ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein? Mais genre, il est enragé, ce rat. Bah, c'est ça, il est enragé, ce rat. Bon, il est enragé, ce rat-là. Vous perdez votre temps, Karpov. Je suis immunisé contre la rage. Le rasoir. Ah! Peut-être vous ne resterez pas insensible à la souffrance de votre jeune ami. Je vais lui couper d'abord le sein gauche. Salut, papa. On peut pas travailler. Bouge pas. Tu vas voir. Papier, bitte. Papiere, bitte. General von Beckmann. Nein. Ich bin ein Ami. Am Freund von General von Beckmann. Stand. Sind Sie Franzose? Sind Sie Franzose? Franzose, ja, ja. Und was ist das? Ein Ursohn! Ich bin très gentil, charmant. Son name is Beethoven. Tan, 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 tan. Nous recherchons un Français avec un enfant. Pas un Français avec un ourson. Qu'est-ce qu'il y a là? Allez, assez joué. Bonjour. Bonjour, Stéphane. C'était le béto. Toi aussi, Stéphane. Elle n'est pas partie. Qui ça? Ben, les deux autres. Les deux autres, elle n'est pas partie, apparemment. Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Mais panique pas. Mais je panique pas. Pourquoi je paniquerai? C'est ta peur? Peur de quoi? De te trahir. Non, écoute, je te jure, je suis pas en état de t'écouter déraisonner, hein. J'ai très peu dormi et je sens que mes malaises vont me reprendre. Alors, hein, tes fantasmes, tu te les remets dans le subconscient parce que ton sinoche, hein, ton sinoche, je commence à en avoir assez. Mon pauvre Stéphane, mon pauvre Stéphane. Comme tu es amoureux. Quoi? Bon, moi, ça m'étonne pas, de toute façon, elle a ce petit truc de vulgaire que tu as toujours adoré. Ah non, je t'interdis de dire que Julie est vulgaire. Oh, ne m'énerve pas, hein, dans ton intérêt. Tu sais très bien que je parle pas de Julie. Je parle de Lucienne. Lucienne? Oui, Lucienne, que tu n'as jamais cessé et qui n'a jamais cessé de t'aimer. Oh. J'aime Lucienne. Oh. Ça, je vais le dire à tout le monde. Ça va faire rire dans les foyers. Voilà, ça, je te jure, ça va remplacer le Monopoly cet hiver. J'aime Lucienne. Oh, j'aime Lucienne. Excuse-moi, mais... c'est énorme. Mal parti sur terre, mal parti sur mer, Alexandre n'avait plus qu'une ressource, les airs.